Non, salut tout le monde qui attend des vidéos ça dans le moment ça. Et côté nous venons montrer comment que vous êtes capable de télécharger une bonne application sous téléphone. Parfois vous êtes capable de télécharger une application et pourtant c'est un bloc virus que vous mettez sous téléphone sans que vous ne vous rendiez compte. Et qui dommage que ça capable causer sur téléphone. Et bien dans ce sens ça, avant que vous téléchargez une application et nous venons montrer quelques analyses que vous devez faire des applications hein, avant que vous téléchargez sur téléphone. Et sans plus tarder, nous demandons à ce que pour abonner avec chaîne si vous pouvez faire ça. Et abonner avec chaîne nous demandons pour faire ça pour nous si vous pouvez faire ça. Et partager vidéo et puis ben un gros pouce bleu et ça fait nous plaisir. Et rapidement j'ai noté du là nous allons montrer comment quelles précautions capable prendre et avant télécharger une application. Et n'a pour exemple avant et si n'a prend le cas et d'une application qui est y enregistrée et n'a pour le cas de première application y enregistrée et n'a touché lui. Première analyse avant que nous télécharger et nous toucher installer que doit être installé nous devons faire une analyse des applications. Premièrement c'est pour ça que météo et nous devons faire ça. Premièrement nous devons garder et qui quantité j'aime que application ça a gagné. Regardez là sur la main gauche où est quantité j'aime les gagner et quantité mégabyte qui application pesé 2.9 mégabyte. Est-ce que téléphone est capable de prendre, est-ce qu'on a suffisamment espace pour application, tout ça est important pour qu'on ait et n'a pas descend en bas ça n'a pas regardé là toute photo ça n'a pas regardé là. C'est n'a touché yon pour ça c'est profil application profil application lorsque vous fin télécharger c'est comme ça l'apparaît. Et puis à propos de l'application c'est ça application fait. Donc une application qui vous permet d'enregistrer des vidéos en arrière-plan. Et ça sont applications qui permettent que vous faites vidéo en arrière-plan. Ça veut dire que vous doit filmer un bagage mais mon parent nous compte que qui ça va fait. Donc ça va dépendre de vous-même et selon gens ou vive application capable noter application hein, avec 5 étoiles 4 étoiles ça dépend. Mais ce qui est important pour nous, nous voulons montrer aujourd'hui, c'est avis monde qui télécharge l'application. Et chaque monde qui télécharge l'application, ça, yo laisse yon mot, yo laisse un commentaire de l'application ça. Ou même, ou supposé li commentaire pour qui avis moun yo laisse des application et comment est-ce que vous parlez bien des applications ou bien est-ce que vous parlez mal des applications et ça a une bonne idée un bon avis des applications si pour télécharger ou pas. Donc avant de télécharger une application et mettre sur téléphone si c'est une application qui pas bon. Depuis dans commentaire là ou regarder que tout monde nous fait là ou gétant d'une idée si pour télécharger ou bien si pour pas télécharger application. Tout ça ou regarder là c'est commentaire que tout monde fait des
des applications. Donc, application similaire, c'est toute application qui fait même bagaille avec l'enregistreur. Application qui n'a pas l'eau de lire. Et je pense que nous essayons de comprendre ça que nous disons. Et c'est même j'entends, lorsqu'on a une application comme ça, et que ou télécharger, ou peser télécharger, et puis ou camper, ou pas télécharger. Mais rapidement, il y a un côté la chita qui dit que ou tap télécharger ou pas télécharger. Encore, nous calmons tout ça rapidement. Nous allons dans trois petits points ça en haut à gauche, nous toucher, nous allons dans mes jeux et applications. Donc nous allons dans bon là dans mise à jour et application que vous avez sur téléphone ou yo, si que gagne commandé pour mettre au à jour, c'est là où tout mettre application à jour. Par exemple, nous avons tout fait ça là avec vous et pour mettre application à jour, c'est où toucher mettre à jour. Donc depuis qu'on application que vous téléchargez mettre sur téléphone ou et qui mandé une mise à jour. Donc c'est là pour faire. Donc moi tout quitter le marché. La deuxième dans ces applications qui installé déjà sur téléphone moi. Alors ça me t'a parlé avec nous hein, lorsque ou téléchargez une application et n'a regardé une première application là et enregistré là, c'est les mêmes que moi t'ai tenté télécharger me vienne camper mais côté au vienne chita. Ou bien tout, même les côtés télécharger une application sur téléphone ou désinstaller, c'est côté à regarder à la vienne chita. Ou bien tout, même les que vous pas télécharger application, il suffit que vous te et toucher installer du moment que vous venez camper installation. C'est là les vignes chita. Toute application ça va regarder là, c'est application qui était sous téléphone là, ou bien moins t'es tenté télécharger. Donc c'est là que yo vignes chita et bêta et donc application ça yo et yo sous téléphone là, mais moins activé test bêta, c'est juste une mise à jour qui fait des applications ça yo. Moi-même pour me tenir au courant de ça. Et donc Presto c'est une très bonne application que moi j'aime et il permet de télécharger en pile belle application et que vous gagnez que vous t'arrêtez télécharger toute application qui par exemple réseaux sociaux, c'est là dans les sorties et son gros application qui est lié et non pas capable et pas dit ça parce que son superbe application qui est lié. Et l'autre bagaille que nous voulons montrer encore, on allait dans meilleur classement. N'a touché meilleur classement là. Lorsque nous arrivons dans meilleur classement, on va regarder là en bas, on va prendre marqué top gratuit. Si que ou t'a même fait une recherche de une application qui s'est cap mené dans moment meilleure application ou capable toucher meilleur classement et puis on aller dans top gratuit. Donc toute application ça va regarder là, c'est de très bonnes applications, mais elles sont toutes gratuites. Et deuxièmement, nous allons dans les plus rentables. Les plus rentables, c'est donc on a laissé au découvrir application ça, c'est des gros applications liées. Et tendance top payant. Donc dans top payant lui-même, c'est des gros applications mais qui payant. Faut qu'on paye pour jouer une application ça yo, sinon on pas capable télécharger yo.
le même service ou application, même genre tout gain top payant, gain top gratuit sur la main gauche et sur la main droite, et c'est top payant. Donc, on a prêté notre top gratuit pour même qui a une application et on va faire recherche là-dedans. Pour sauver une application que vous aimez, un antivirus par exemple, et une calculatrice, etc. etc. Vous pouvez faire recherche là-là, c'est possible pour venir aujourd'hui. Ok? Et bon, on va aller là dans l'événement. Donc, et Play Store a dit qu'il y a un pile de belles petites choses là-dedans. Mais, et. Nous venons dans la catégorie. Parfois, on doit faire une besoin faire une recherche application, mais ou tu as aimé que une application de pour jeux vidéo par exemple. Ou capable aller là en bas. Et dans des applications ça dans des catégories en bas là on doit aller toucher une là-dedans. Donc là bas où la tour fait toute application qui est en rapport avec jeux vidéo et on capable toucher dernier à tout là bas toute application qui est en rapport avec jeux et sous besoin application pour musique on a besoin de tout ça là. Et donc les classer par catégorie, donc on pas besoin d'aller à casser tout. Donc Play Store lui-même les classer tout sous pas connait ou pas connait, mais nous même nous porter pour juste si que ou ta gain temps en l'air et que ou ta même contact Play Store. Donc vidéo ça lui-même la permet que ou découvrir un pile bagaille de Play Store. Hein? Donc en pile fois nous-mêmes nous seulement capable télécharger une application et puis nous fini. Mais en pile fois Play Store lui-même les banons en pile avantage en pile belle bagaille là-dedans, mais nous peut-être nous pas compte. Et l'autre bagaille que nous t'arrive pas là encore, comme ça tout Play Store lui-même, il conseille des applications là-dedans qui pas jamais publié yo là, mais yo pas publié sur Play Store. Donc mesdames et messieurs, nous vous merci ou même qui t'a suivi vidéo. Objectif vidéo c'était montrer vous, avant de télécharger une application et pour supposer qu'on est avant de télécharger une application pour supposer qu'on est et quantité mégabyte que application pèse si que téléphone on capable prendre ou capable faire un coup d'œil des interface application j'en ouais yo mettez là et puis tout au capable lire ça à propos de l'application et qui sa application fait et puis li tout avis que monde qui téléchargé application déjà avant yo quitter et là ça va bien plus bonne idée des applications. C'est pas seulement rete et puis ou prend tout ça c'est avis que mon laissé des applications ça regarder là. C'est pas seulement télécharger et vous pas besoin qu'on est et puis son bloc virus qu'on met sur téléphone. Non on n'est pas comme ça. Avant télécharger une application et ou supposer et analyser toute bagaille net et est-ce que capacité téléphone en capable etc. Donc m'espérer que cette vidéo ça te fait nous plaisir et pas oublier abonner avec chaîne sous pour faire ça et ça fait nous plaisir. Merci beaucoup, à la prochaine, la croisée dans notre vidéo. Ciao.